Salut les vagabonds! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler matériel de randonnée et plus particulièrement, enfin matériel de bivouac parce que c'est plutôt lorsqu'on dort dehors qu'on va s'en servir et on va parler donc plus spécifiquement des matelas. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est plus de vous faire un topo sur la différence entre les matelas tapis de sol en mousse et puis les matelas gonflables. Et éventuellement, on va faire aussi un petit point sur les autogonflants. Donc, je vous donnerai dans cette vidéo, en premier lieu, les points à regarder qui sont selon moi vraiment les critères importants avant de faire votre achat de matelas. Ensuite, les avantages, les inconvénients à chacun de ces types de matelas. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les exemples concrets avec les marques qu'on peut trouver dans le commerce et ce que moi personnellement j'utilise aujourd'hui comme matelas. Donc pour que vous ayez quand même une idée, les différents types de matelas mousse, de matelas de sol qu'on va pouvoir trouver, soit ce sont des matelas qui vont être roulés comme ça, donc tout simple, ou des matelas sous forme Z accordéon. Alors j'en ai pas à vous montrer directement un matelas même, ça c'est juste le repose-fesses sous format accordéon qui est très pratique, surtout pour l'hiver quand on veut poser ses petites fesses dans la neige et qu'on veut pas se geler les fesses. Et donc il existe au format matelas, donc beaucoup plus grand et volumineux. Et puis en termes de matelas gonflables, et eh bien ça se présente en général, c'est beaucoup plus petit, c'est roulé comme ça et puis on vient tout simplement les gonfler, ou dans le cas des autogonflants, ça se gonfle tout seul normalement, on y reviendra. Et je voulais faire un petit point avant même de commencer cette vidéo par rapport au fait que souvent, très souvent, lorsqu'on débute en bivouac, on va vraiment s'intéresser à l'achat du matériel de la tente et du sac de couchage et on oublie vraiment bien souvent l'aspect du matelas. Faut pas oublier le matelas parce que le matelas a son importance aussi, et d'où cette vidéo pour vous montrer un petit peu, vous expliquer un petit peu pourquoi c'est important d'avoir un bon matelas, tout simplement pour ne pas perdre votre chaleur, parce que le matelas ça va vraiment être la chose qui va vous isoler du sol. Or le sol est extrêmement froid la nuit, ça va venir, ça peut remonter dans votre corps, et donc tout l'intérêt du matelas c'est vraiment de ne pas perdre la chaleur qui va que vous allez créer à travers votre sac de couchage, parce que le gonflant de votre sac de couchage, c'est ça qui vous permet donc de vous tenir bien au chaud. Et lorsque vous êtes allongé, les points d'appui, si vous êtes sur le côté, donc les épaules, le côté des jambes, ou si vous êtes sur le dos, tout votre dos, ça fait que ça va venir compresser ce gonflant. Donc en fait il n'y a plus du tout d'épaisseur au niveau de votre sac de couchage, et ça fait que en fait vous perdez tout le pouvoir de chaleur à ce niveau là. Donc vous l'avez compris, le rôle du matelas c'est vraiment de limiter la déperdition de chaleur, même si ça ne va pas vous réchauffer en tant que tel d'avoir un matelas, mais ça va vraiment vous permettre de ne pas perdre plusieurs degrés et de ne pas avoir le froid du sol qui va remonter. Et c'est vrai qu'une des choses qu'on veut surtout pas lorsqu'on dort en bivouac, c'est de mal dormir à cause du froid. Je vous ai déjà fait une petite vidéo d'ailleurs sur les astuces pour ne pas avoir froid en bivouac, je vous laisse aller la regarder, elle va s'afficher en haut à droite de votre écran, dans le petit i juste là, si vous voulez aller la voir. Et donc en tout premier lieu de cette vidéo, on va regarder ensemble les 5 critères qui sont selon moi les plus importants à regarder lorsque vous voulez acheter votre matelas et qui vont définir en fait votre achat. Donc ces 5 points, ça va être en tout premier lieu évidemment le poids. En randonnée, il n'y a pas de secret, on essaye tous de limiter au maximum le poids évidemment dans le sac à dos. En deuxième, qui est un petit peu lié avec le poids, c'est l'encombrement. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être très gros, qui va devoir se mettre à l'extérieur du sac à dos ou à l'intérieur du sac s'il est beaucoup plus petit? Et est-ce que vous avez les sangles adaptées si jamais vous devez le mettre à l'extérieur? Est-ce que vous pouvez bien le mettre sur votre sac à dos? Est-ce que ça va être adapté ou non? Donc voilà, le volume de ce matelas. Ensuite, le prix, évidemment, parce qu'il y a des matelas qui peuvent aller de 5 à 200 €, voire même plus cher. Il y a vraiment toutes sortes de prix quand on commence à regarder un petit peu ce qui existe dans la gamme des matelas. Et ça dépend de votre budget, donc tout ce que je vais dire de toute façon dans cette vidéo, comme d'habitude je me répète un petit peu, mais je n'ai pas, je ne prétends pas vous dire qu'est-ce qu'il faut que vous achetiez, mais je vous donne des clés pour vous faire votre avis et acheter votre propre matériel en fonction de vos propres besoins. Ensuite, un autre point très important, comme je disais dans le début de cette vidéo, qui est que le matelas, le but du matelas c'est d'isoler, donc il va avoir un pouvoir isolant. Donc on va aller regarder ce pouvoir isolant. En fait il se note avec une valeur qui est la R value. Alors faut pas s'embêter avec les mots comme ça, mais c'est bon à connaître. Donc ça va de 0 jusqu'à 5 ou même plus, ça peut monter un petit peu plus. Et plus le degré de cette R-value est haut, et plus l'isolation va être
importante. Un matelas qui va donc à peu près entre 1, 2, ça va être plutôt pour l'été. On va s'en servir lorsqu'il fait déjà encore au moins 15 degrés la nuit, quelque chose comme ça. De 2 à 3, c'est plutôt les matelas qu'on va appeler les 3 saisons, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'été évidemment les prendre, mais aussi printemps, automne. Après évidemment ça dépend toujours de la température extérieure. Ensuite quand on passe à la R-value de 3 à 4 à peu près, ça commence déjà à être beaucoup plus, donc on va peut-être être sur du 3 saisons, mais vraiment du vrai 3 saisons où on peut aller jusqu'à la fin de l'automne et dès les premiers jours du printemps. Et lorsqu'on est au-dessus de la valeur de 4 jusqu'à 5, 6, 7 pour les froids extrêmes, si vous allez faire du bivouac par des températures négatives, là ça va pouvoir être intéressant d'investir dans ce type de matelas. Évidemment, vous vous doutez bien que plus le matelas a une très bonne isolation en général, plus son prix va être élevé, alors avec des nuances, mais voilà, donc c'est bien important de regarder cette R-value. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc normé, donc quelle que soit la marque de type de matelas que vous allez acheter, il y a une R-value qui est universelle, qui est donc adaptée. Comme ça, vous pouvez vraiment comparer en fonction des différents matelas, quelle que soit la marque. Et donc le cinquième point que je vais venir regarder, c'est le confort, parce que ça c'est quelque chose, en tout cas moi personnellement, c'est très important pour moi, mon confort lorsque je dors dehors. Je ne souhaite pas me faire du mal en faisant du bivouac, au contraire, l'idée c'est de passer des bonnes nuits à l'aise, confortable dans son campement. Donc pour le confort, on va regarder l'épaisseur du matelas, si c'est plutôt fin, plutôt épais, si c'est plutôt moelleux ou pas. Et puis surtout en fait l'idée, parce que des fois lorsque je pars sur quelques nuits seulement, je peux me contenter d'un matelas très fin parce que une nuit ou deux ça ne fait pas trop mal, mais à force, à la longue, des fois lorsqu'on dort vraiment longtemps dehors avec le même matelas, il est vraiment très fin. À un moment, il faut quand même un petit peu plus de confort, donc un peu plus d'épaisseur. Et puis le confort, il va dépendre aussi du lieu où vous allez bivouaquer, parce que si vous savez que vous allez dans un paysage qui va être très caillouteux, très dur en fait, ou à l'inverse, si vous savez que vous allez plutôt avoir des sols de forêt mousseux, ou alors dans les champs, vous allez avoir plutôt beaucoup de confort. Donc le choix de l'achat de votre matelas va aussi donc dépendre si vous voulez l'acheter vraiment pour un type de randonnée dans un type de territoire, ou si vous vouliez qu'il soit le plus polyvalent en termes de confort. Et ce qui rentre aussi dans le critère de confort, ça va être si le matelas est bruyant ou non, parce que oui, les matelas gonflables surtout peuvent être assez bruyants lorsqu'on bouge la nuit. Et un dernier petit critère qui peut jouer dans la balance quand même, même s'il faut savoir que en général tous les matelas sont quand même assez costaud de manière générale, je mets ça de manière globale, mais ça va être la fragilité, ou au contraire la robusticité, ça se dit ça, non je ne sais pas, le fait qu'il soit robuste ou non, et sa résistance et sa durabilité finalement dans le temps. Évidemment les matelas gonflables ont plus de risques en termes de fragilité si vous le mettez sur un sol qui n'est pas très lisse, ou s'il va y avoir des branchages, des choses qui vont peut-être pouvoir être pointues et venir percer malheureusement le matelas. Mais quoi qu'il en soit, les matelas sont toujours vendus avec un kit patch de réparation, donc il est possible de réparer ces matelas gonflables aussi, mais on va y revenir quand on parlera des avantages et inconvénients du matelas gonflable. Donc on passe tout de suite en deuxième gros point aux avantages inconvénients de chaque type de matelas. Je me remets mon truc sous les fesses parce que en vrai c'est pas confortable d'être sans je suis doudou des fesses. Alors les avantages et inconvénients du matelas en mousse comme ceci. Toute première chose dans les points positifs, le matelas en mousse est quasiment indestructible, honnêtement. On peut le tirer, c'est vraiment quasiment indéchirable. Je ne vais pas y aller non plus à fond parce que je pense que je pourrais, avec des ciseaux, on peut évidemment le déchirer, mais ça peut prendre vraiment toutes sortes de coups, ça peut prendre les branches, même si vous le mettez en extérieur de votre sac à dos, ça ne craint pas grand-chose. Si c'est mouillé un petit peu, moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout quand il y a la fine pluie. Évidemment, si vous êtes sous la grosse averse pendant 3 jours et qu'il n'arrive plus du tout à sécher, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas très grave si ça prend un peu l'humidité. Moi celui-ci là, mon tapis jaune que j'emmène partout avec moi, je l'ai depuis au moins 4-5 ans je pense, et le seul petit accroc qu'il a pour l'instant c'est ça, parce qu'il y a un petit bout qui s'est déchiré. Et honnêtement je suis pas très précautionneuse avec lui, donc franchement c'est rien du tout par rapport à l'utilité que j'en ai eue. Donc franchement de ce côté là c'est un point hyper positif comparé aux gonflables qui peuvent crever malheureusement. Et puis surtout on sait que c'est fiable, on peut l'avoir pendant toute sa randonnée, on peut compter sur lui, alors que le matelas gonflable, si ça crève en randonnée, c'est un petit peu plus compliqué. Autre gros point positif, c'est le rapport poids et prix de ce type de matelas. C'est les matelas les moins chers, c'est clairement des matelas en mousse, et c'est souvent des matelas qui ont un bon
poids. Évidemment, on trouve des matelas gonflables moins lourds encore que les matelas mousse, mais qui vont être tout de suite dans une gamme de prix beaucoup plus élevée. Donc en termes de rapport de poids et prix, je trouve que c'est quand même un très bon compromis, surtout quand on débute en randonnée. Par contre, vous me voyez venir, si forcément c'est très bon en termes de poids, ça l'est un petit peu moins en termes d'encombrement, on va forcément devoir le mettre à l'extérieur du sac à dos. Après, c'est pas forcément dérangeant, mais souvent on vient le mettre sur les sangles en dessous du sac à dos ou au-dessus du sac à dos. Moi je le mets aussi souvent sur le côté, le long comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de secret, c'est presque impossible de mettre son matelas mousse à l'intérieur du sac à dos. Et puis bah enfin, la dernière chose, c'est que ça va pas être très très confortable. C'est pas le matelas le plus confo qu'on va trouver. Alors ça va dépendre surtout de son épaisseur à ce matelas là. Moi par exemple, c'est un matelas qui est vraiment très très fin, il fait à peine 5 mm je pense d'épaisseur celui-ci. Ça m'arrive de dormir dessus une nuit ou deux comme ça en bivouac, et surtout quand je suis sur des sols plutôt assez mous, sur du rocher, honnêtement ça passe pas, hein. Je suis pas capable de dormir une nuit je pense là-dessus. Si le sol est dur, ça sera pas très agréable. Et par contre, il existe aujourd'hui voilà des matelas qui sont quand même plus ou moins épais, et notamment, je vais vous remontrer celui que j'ai remis sous mes fesses, notamment les matelas souvent en Z, mais aussi déroulés, hein, ça existe, qui ont des alvéoles en fait, je sais pas si on voit bien, mais il est en relief comme ça, et ça ajoute et de l'isolation et du confort, les deux. Franchement, honnêtement, ça c'est vraiment top, les matelas comme ça en Z. Alors moi j'en ai pas personnellement de matelas en Z, je vous en reparlerai quand je vous donne les exemples de types de matelas et de marques qui existent, mais honnêtement je trouve que c'est un très bon type de matelas, ceux qui sont en Z, parce qu'en plus ça a le petit avantage comparé au matelas roulé, c'est que lorsqu'on le sort et qu'on le déplie, il reste bien droit, alors que comparé au matelas roulé, comme on le roule toute la journée bien serré dans ses sangles, et ben quand on le déplie, il a tendance un petit peu voilà, à se retourner sur les coins, et ça, bon, c'est un petit désagrément absolument pas dramatique, mais c'est vrai que le Z est quand même pas mal du tout. Et puis je trouve que souvent les Z, ils sont un petit peu plus compacts. Mais bon, ça c'est vraiment pour aller dans les détails et pour pinailler un petit peu. Ensuite, on va passer aux autogonflants. Alors, parce que je vais faire la nuance autogonflant-gonflant. Les autogonflants, moi, c'est le premier type de matelas que j'ai utilisé lorsque je suis partie sur mes toutes premières randonnées, quand j'étais encore ado, en itinérance. Et c'est un espèce de matelas moyen, moi, je trouve intermédiaire entre le matelas mousse et le matelas gonflable, mais qui a quasiment aucun avantage de l'un et de l'autre. Et je trouve que c'est un espèce de compromis un peu particulier comme type de matelas. Parce que c'est quand même un peu plus cher qu'un matelas mousse, mais beaucoup moins cher qu'un matelas gonflable, mais beaucoup plus gros qu'un matelas gonflable et beaucoup plus lourd qu'un matelas mousse. Donc je sais pas si vous voyez le truc. En gros, moi je trouve qu'il y a plus d'inconvénients dans ce type de matelas que d'aller vraiment soit vers le mousse, soit vers le gonflable. Après, il faut savoir quand même que les autogonflants, ça a soi-disant le grand avantage, on ouvre la valve et ça se gonfle tout seul. Mais de mon expérience, j'ai jamais eu d'autogonflant qui se gonflait vraiment tout seul. Fallait toujours terminer en gonflant un petit peu le matelas à la bouche pour qu'il soit bien, voilà, bien gonflé sur la fin. Bon, je vais pas vous en parler pendant des heures, vous avez compris, je suis pas une grande fan de ce type de matelas, mais... Oh, il y a un écureuil! Oh, c'est trop cool, je suis dans la maison d'un petit écureuil. J'aime trop. Franchement, vous savez même pas à quel point je suis heureuse de vivre ici. Donc on passe maintenant au matelas gonflable, les points positifs, les points négatifs. Le gros du positif du matelas gonflable, c'est que c'est très léger, très compact. Hein, voilà, ça a la taille d'une gourde à peu près, celui que j'ai actuellement. Donc ça, c'est vraiment, on va dans l'extrême là, du matelas gonflable, je pense, en termes de taille, de volume, mais c'est extrêmement léger. Ça a un bien meilleur confort qu'un matelas mousse, ça, il n'y aura pas à rediscuter là-dessus, c'est beaucoup plus épais en général. Si on compare à, voilà, un matelas mousse de la même air-value qu'un matelas gonflable, en termes de taille et de poids, il n'y a pas photo, le gonflable est évidemment beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. Bon, après on va passer quand même au point négatif, parce que moi je suis une grande convaincue du matelas gonflable, mais il y a des points négatifs. À savoir, en tout premier lieu, c'est le prix. Tout de suite, on va sur des gammes de prix beaucoup plus élevées, et c'est vraiment un investissement. Il faut le dire, moi j'ai acheté le mien, celui-là, je suis très heureuse d'avoir acheté en tout premier lieu celui-ci, je vais vous le présenter après. C'est un matelas hyper performant, pareil, je l'ai à peu près acheté en même temps que... Même avant, non, je l'ai acheté avant que le matelas mousse que je vous ai présenté, donc ça fait au moins 5-6 ans peut-être même maintenant que je l'ai, et j'en suis hyper satisfaite parce que c'était un investissement, hein. Il m'a coûté plus de 100 euros quand même ce matelas, donc
c'est très cher pour ce que c'est, hein, quand on commence surtout, voilà, faut peut-être pas investir là-dedans si vous commencez dans le bivouac, mais quand on commence à se dire qu'on va faire beaucoup de bivouac, honnêtement, ça, je trouve que ça en vaut la peine. Et alors, deuxième gros inconvénient, c'est que c'est long à gonfler. Tous les soirs, il faut le gonfler en entier, il faut envoyer tout l'air dedans. Moi, je le gonfle en plus à la bouche, personnellement, le mien. Mais il existe des sacs pour gonfler votre matelas ou éventuellement des pompes carrément, des pompes mini qu'on peut emmener en rando. Bon, évidemment, le sac est plus léger qu'une pompe, mais ça vous permet donc de gonfler votre matelas beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et moi, ce que j'ai entendu dire aussi, donc ça, et c'est à juste titre, je pense, après moi, j'ai jamais eu de soucis du fait que je le gonfle tout le temps à la bouche. Le fait qu'on gonfle avec l'air qui vient de son corps, forcément, ça va être un air beaucoup plus humide que si on gonfle avec de l'air, voilà, de l'air extérieur ambiant. Bon, sauf si vous êtes vraiment dans une atmosphère humide. Mais c'est vrai que ça isole mieux si vous utilisez de l'air, voilà, de l'extérieur plutôt que de l'air un petit peu humide. Et enfin, dernier gros point négatif, c'est que c'est beaucoup plus fragile qu'un matelas mousse et que ça peut arriver que ça crève au milieu de votre randonnée. Et dans ces cas-là, et eh ben, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez vraiment plus de matelas, plus aucune isolation. En toute sincérité, ça reste quand même robuste. Il faut juste faire attention les endroits où vous mettez votre matelas chaque soir. Bien vérifier que vous n'avez pas de choses tranchantes qui vont être sous votre matelas. Après, comme je le disais, ces matelas-là sont vendus quasiment systématiquement avec un petit kit de patch de réparation. Ça m'est arrivé une fois de devoir réparer ce matelas. Je vais vous le montrer. Alors, il est au niveau du... Je l'ai mis où ? Il est là. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc là, j'ai dû faire un petit... j'ai regardé un tuto, hein, évidemment, pour le faire, parce que j'étais absolument novice lorsque j'ai dû le faire. Faut savoir que ce trou-là, je l'ai fait parce que c'était lorsque j'étais sur le chemin de Compostelle, lorsque je suis partie, donc sur 3 mois d'aventure. Si vous savez toujours pas de quoi je vous parle et que vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne sur mon aventure sur le chemin de Compostelle. C'est un petit peu ça qui a initié tout ça, mon engouement pour la nature, la randonnée, etc. Donc... allez vous faire plaisir, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne sur le sujet. Au cours de 3 mois, j'utilisais quasiment tous les jours ce matelas. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois par semaine. Et j'ai eu un seul petit trou, et c'était un trou minuscule en fait. Parce que pour vous dire, j'ai pu quand même continuer à l'utiliser sur la fin de mon chemin. C'est juste qu'à la fin de la nuit, il était vraiment un peu dégonflé mon matelas. J'avais beau le gonfler à fond tous les soirs. Lorsque je me réveillais le matin, bah, c'était un peu dégonflé, ce qui n'est pas très agréable. Mais au moins, c'était pas complètement, j'étais pas complètement à même le sol. Ça gardait encore un petit peu d'isolation. Et pour tout vous raconter, j'ai tenté, parce que j'avais pris avec moi mon kit de patch de réparation en me disant si jamais ça crève, je peux le faire en chemin. J'ai tenté de le réparer. On a essayé de le faire dans une bassine d'eau et tout ça, parce qu'en fait, donc pour voir où est la fuite, parce que ça se voit pas à l'œil nu, ce petit trou, c'est tellement microscopique que ça se voit pas, il faut le plonger dans l'eau une fois que vous l'avez gonflé, votre matelas, pour voir d'où viennent les bulles et donc où est le petit trou. Et donc j'ai essayé de faire ça avec d'autres pèlerins, on était là dans une auberge en train d'essayer parce qu'il n'y avait pas de bain, donc on avait pris une bassine, enfin catastrophe, on a mis de l'eau partout. Résultat des courses, ne pas faire ça, à moins d'avoir vraiment une baignoire. Donc j'ai pas réussi à le réparer moi lorsque j'étais en chemin, et j'ai attendu d'être rentrée chez moi pour pouvoir le plonger dans une baignoire et voir d'où venait le trou. J'ai fixé ensuite mon petit patch de réparation et maintenant tout va bien, il fonctionne à merveille. Donc comme quoi, c'est fragile certes, mais pas tant que ça, faut faire attention en fait, et c'est réparable surtout, c'est ça qui est bon à savoir. Donc voilà ce qu'il en est en termes des avantages et inconvénients de chaque matelas. Maintenant, je voulais vous faire un petit topo quand même plus concrètement sur les marques de matelas et les types de matelas qui existent vraiment dans le commerce lorsque vous allez faire votre achat, pour vous aiguiller un petit peu, vous montrer concrètement à quoi ça ressemble et quelles sont les nuances. Je vais surtout vous comparer deux marques, en fait c'est la marque Thermarest qui est clairement la marque de référence en termes de matelas de randonnée. Lorsque vous regardez tous les grands un peu dans le milieu du plein air, de toutes les activités un peu sportives d'extérieur où il y a besoin de dormir dehors, c'est très régulièrement que vous voyez des gens qui ont des matelas de la marque Thermarest. Je suis pas du tout sponsorisée pour vous parler de ça, mais c'est la marque un peu de référence. Pas que, hein, il en existe d'autres qui sont très bien aussi, mais c'est pour ça que je vous parle de cette marque-là en particulier, et que moi personnellement je suis allée vers cette marque-là en achetant le petit matelas gonflable que je vous ai présenté. Et puis on va aussi le comparer avec la grande enseigne bleue, j'ai nommé Decathlon. Pareil, hein, aucune sponsor, mais évidemment c'est un peu la référence en termes de matériel d'achat de randonnée, et aujourd'hui franchement il faut le dire, ils ont vraiment du niveau quand même dans ce qu'ils proposent. Donc chez Decathlon, il existe un premier matelas mousse qui se roule comme ça, premier prix, ça coûte je crois moins de 10 euros, donc c'est vraiment une bouchée de pain pour ce que c'est. Et donc ce matelas a une air value de 1,2
Donc ça veut dire que c'est vraiment pour l'été. Hein, c'est au-dessus des températures de 15 degrés qu'on va pouvoir l'utiliser, donc été. Il est quand même très gros, hein, il se roule, il est plus gros que mon matelas jaune que je vous ai présenté, c'est quand même assez encombrant. Ça peut se mettre sous le sac à dos ou dessus comme on le disait, et puis ça reste très léger parce qu'il fait à peine 210 grammes. Par contre il fait que quelques millimètres, donc c'est pas très confortable. Et ensuite, encore chez Decathlon, il y a le fameux matelas Z en accordéon, comme je vous ai présenté, donc un peu mon appui qui est sous mes fesses actuellement. Parce qu'en fait, il faut savoir que voilà, la forme Z accordéon, c'est vraiment issu de Thermarest. C'est Thermarest qui a développé ce type de matelas. Decathlon aujourd'hui a un peu copié, mais pourquoi pas, hein, en soi, c'est très bien parce que comme ça, ça permet d'avoir des matelas Z vraiment abordables en termes de prix. Chez Decathlon, ils en ont plusieurs, je crois, mais il y en a un qui est vraiment... Enfin, je suis allée voir le moins cher pour vous donner ces informations-là. Il est à moins de 15 euros, je crois. Et sa air value est très bonne parce qu'elle est à 2, que je vous dise pas de bêtises, 2,1. C'est-à-dire que vous pouvez aller juste sur des températures 5-10 degrés quand même de nuit, donc c'est quand même très bon. Il pèse 370 grammes, donc c'est pas si lourd que ça pour un matelas. Et puis il est plus épais, donc il est alvéolé comme je vous montrais, donc un peu plus confortable. Franchement, pour son prix, si vous débutez en bivouac, que vous n'avez pas peur de dormir sur des sols, puis voilà, après vous choisissez aussi vos sols, hein, quand vous allez faire du bivouac, vous pouvez tout à fait vous faire un lit de paille dans les champs et ensuite mettre votre matelas dessus, et c'est hyper confortable. Et ensuite, Decathlon propose aussi des matelas gonflables, évidemment, mais là tout de suite on passe sur une gamme de prix un petit peu plus élevée, mais quand même abordable pour du gonflable, autour de 45-50 euros, et vous allez avoir par contre un poids assez élevé pour... Enfin, si on le compare au Thermarest, par exemple, donc le premier gonflable qu'il propose, qui est un matelas jaune à boudin, là. Donc ce matelas-là, il a seulement une air value de 1,6, donc moins que le matelas mousse, mais forcément c'est beaucoup plus confortable, mais plus fragile, et il est plus cher, et il est plus lourd parce qu'il fait 510 grammes, selon le site de Decathlon, donc... Voilà, c'est un autre chose. Mais honnêtement, je trouve que du coup, Decathlon, ça vaut vraiment la peine pour aller sur du matelas mousse. Et donc, on en vient au matelas de Thermarest, qui est donc la grande marque, comme je vous le disais. Clairement, comparé à Decathlon, il y a une offre beaucoup plus variée chez Thermarest. Il y a une offre qui va être vraiment adaptée à chaque type de randonnée que vous allez pouvoir avoir, que ce soit hivernal, plutôt été, plutôt léger. Vraiment, il y a plein de types de matelas différents qui s'adaptent aussi en fonction des morphologies, des tailles, c'est vraiment décliné dans plein de possibilités. Thermarest, c'est leur domaine, le matelas, donc forcément ils ont une gamme vraiment conséquente, et ça c'est intéressant. Par contre, on est sur du tarif beaucoup plus élevé que, vous vous en doutez, la grande enseigne bleue. Du coup, pour vous faire un comparatif avec Decathlon, le fameux matelas Z, le Z Light, donc il y a aujourd'hui une version un peu plus légère que le officiel Z Light, qui est le Z Light Sol. Et par contre, quand on le compare avec Decathlon, c'est beaucoup plus cher, parce que je crois qu'il coûte à peu près 40 euros, le Z Light de chez Thermarest. Il fait un petit peu plus de 400 grammes, et il est en air value de 2 seulement. Donc, si on le compare à celui de Decathlon, quelque part le prix vaut peut-être pas la peine d'aller chez Thermarest. Ensuite, ils font aussi le matelas roulé en mousse, qui est le Ridge Rest, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc lui, il a plutôt une air value de 2,1, donc c'est un petit peu plus, mais il fait 400 grammes, donc on est à peu près dans les mêmes poids que le Z Light. Il coûte un petit peu moins cher, il coûte 30 euros seulement. Personnellement, moi j'en ai un Ridge Rest en roulé comme ça, en mousse. Et pareil, il est alvéolé quand même plus que les petits matelas de sol tout simple de chez Decathlon, hein. Ça vaut plus cher, mais c'est quand même un peu plus performant. Il est très bien, mais il est trop encombrant et je l'emmène pas avec moi. En fait, je l'emmène que si je veux faire des expéditions d'hiver ou des choses un peu plus costauds. Et ensuite, il y a les matelas gonflables de chez Thermarest. Et là, on est vraiment dans du varié, plein de possibilités. Le mien, donc, qui se présente comme ça, là, il est pas gonflé, mais je vous l'ai montré. Il est tout petit, tout compact, tout léger. Donc ça, c'est le Thermarest Neo Air X-Lite en format régulier, c'est-à-dire un format classique, parce qu'il existe du coup en format plus petit. Il a une air value, écoutez-moi bien, de 4,2. Donc là, on est sur un matelas qui peut aller faire du 3 saisons largement. 4 saisons peut-être couplé avec un autre matelas, mais 3 saisons, c'est nickel. J'ai jamais froid avec ce matelas-là. Et il est épais, hein, il se gonfle, il est à peu près... plusieurs centimètres d'épaisseur, donc vraiment chouette. En termes de confort, rien à redire. Par contre, il fait beaucoup de bruit lorsqu'on se tourne dans la nuit. Ça, c'est un petit peu le côté négatif. Il est hyper compact. Il fait seulement 360 grammes. Et
Par contre, il coûte au moins 120 euros, je pense, et encore, c'est peut-être même plus cher qu'on peut le trouver, un peu 120, 130, 140 peut-être en fait. C'est un de référence, le Thermarest Neo RX Lite, il n'y a pas à dire. Voilà. Après, il en existe plein d'autres aussi chez Thermarest, je vous laisse aller fouiller si vous voulez aller voir leur site. Et pour vous expliquer pourquoi le mien il est plus léger que le fameux Thermarest dont je vous parle qui est à 400 grammes, c'est que moi j'ai un format qui est XS, c'est pas le format donc régulier, c'est régulier. Il y a le format large aussi qui est plus grand, il y a le format S donc qui est un petit peu plus petit et moi j'ai le XS donc qui est encore plus petit. C'est un type de matelas en fait, le XS, ça existe aussi chez Decathlon je crois, qui est réduit, c'est-à-dire qu'en termes de longueur, il va pas faire votre longueur entière de haut. Ce qui n'est pas très important parce qu'en fait donc on cherche l'isolation lorsqu'on achète un matelas, donc ça va voilà, couvrir tous vos organes importants à être isolés. Donc moi, il descend sous mon genou, mais il s'arrête au niveau juste en dessous de mon genou, ce matelas-là. Donc l'idée, c'est de gagner du poids, évidemment, et de l'encombrement, parce que ça ne pèse que 210 grammes, ce qui est assez fou pour un matelas gonflable, et qui a une air-value aussi élevée. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis allée directement vers ça en me disant, bah, de toute façon, autant gagner au maximum de poids. Mais il y a quand même un petit mais, je trouve que moi, dès que je vais sur des randonnées où il fait un petit peu froid la nuit, au niveau des pieds, alors, mais c'est propre à moi parce que moi j'ai très 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 froid aux extrémités, toujours, tout le temps, j'ai tout le temps les pieds froids. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je mets mon matelas et je mets mon sac au bout sous mes pieds pour isoler un petit peu plus, mais un sac à dos ça isole pas autant qu'un matelas avec une bonne air-value. Après dans la nuit ça, je me réchauffe et donc mes pieds ça va. Mais donc si c'était à refaire, si je remettrais de l'argent pour investir dans un matelas, en l'occurrence je vais pas le faire parce que voilà, je veux pas spécialement remettre beaucoup d'argent et que ça me convient quand même, c'est que j'achèterais peut-être un qui fait taille S en fait, avec toute la longueur, quitte à avoir un petit peu plus de grammes dans le sac à dos à porter. Mais je trouve que personnellement moi ça me convient pas cette taille XS où ça, c'est un peu plus court. Conclusion, faut-il utiliser un matelas de sol en mousse ou faut-il utiliser un matelas gonflable? Ma réponse est, il faut utiliser les deux parce que personnellement si vous voulez tout savoir, j'utilise toujours deux matelas avec moi, sauf comme je vous le disais lorsque je pars pour de la très courte rando bivouac et que s'il fait chaud, hein, parce que c'est les deux conditions, ça m'arrive de n'utiliser que mon matelas mousse. Mais si je pars pour une longue distance ou pour une saison qui est encore un peu fraîche, printemps, automne, j'utilise mes deux matelas. Parce qu'il faut savoir que les air-value s'additionnent lorsqu'on couple deux matelas l'un à l'autre. Donc mon matelas, alors je ne sais pas la air-value exacte du petit matelas mousse que je vous ai présenté. L'avantage c'est que lui il fait que 170 grammes. Malheureusement je ne peux pas vous conseiller de l'acheter parce que je ne l'avais pas acheté en France. Et je ne retrouve même plus sur internet les références. Donc je ne sais même pas quelle est sa air-value. Mais je sais que ça se couple forcément avec mon 4.1 plus, peut-être qu'il fait entre 1 et 2 quand même de air-value. Il est quand même bien isolant, je trouve, mon matelas mousse pour sa taille, pour son épaisseur surtout. Et donc, comme je vous le disais, moi, comme en plus j'ai un XS, et ben ça me permet d'avoir quand même un petit peu d'isolation sur le bas de mes pieds avec le matelas mousse. Ça me permet aussi de tout simplement me servir de mon matelas mousse à tout moment, parce que moi je suis une grande fan du matelas mousse dans le sens où il est sur le bord de votre sac, vous n'avez pas à aller fouiller dans votre sac à dos, vous pouvez l'attraper à tout moment. Dès que c'est un peu mouillé au sol et que vous voulez pas vous mouiller les fesses, pouf, vous le sortez, vous le mettez au sol, vous mangez, vous pique-niquez, vous faites une sieste, vous faites tout ce que vous voulez, parce que moi je suis une grande fan des pauses hein, en randonnée. Pourquoi je fais de la randonnée? Pour faire des pauses, chercher la logique. Et puis l'autre gros avantage de le coupler avec un matelas gonflable, comme on le disait, le matelas gonflable il est un petit peu fragile, et ben en mettant votre matelas mousse en dessous, vous protégez tout simplement de manière supplémentaire le matelas gonflable. C'est un gros plus, donc moi je trouve qu'en fait c'est tout intéressant de coupler les deux ensemble. Et puis quand on achète donc un matelas gonflable vraiment léger, ben je m'encombre, donc j'ai mon 210 grammes plus 170 grammes, ce qui me fait 380 grammes si je dis pas de bêtises au total. Je suis très forte en maths, c'est pas si lourd que ça en fait d'avoir les deux ensemble. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous utilisez comme matelas dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, je serais très heureuse de vous lire et de voir aussi quels sont selon vous les avantages et inconvénients de votre type de matelas à vous. Moi voilà, c'est mon avis personnel, mais j'aime vraiment bien utiliser les deux ensemble. Et puis enfin, dernière petite astuce de fin de vidéo, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, c'est la couverture de survie. D'utiliser une couverture de survie en randonnée, c'est hyper pratique, et d'autant plus si vous faites du bivouac, de mettre la couverture de survie en dessous de vous, ça vous isole encore plus du sol. Et comme une couverture de survie, on en a toujours une dans le sac, ça vous rajoute pas de poids dans le sac à dos et ça vous permet d'être encore plus isolé. Si vous faites de la belle étoile aussi, ça vous permet de protéger un peu vos affaires de la rosée du matin. Bref, plein d'avantages à mettre sa couverture de survie au sol. C'était la petite astuce de fin de vidéo. Voilà, c'est comme ça que je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à y mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage toujours, à laisser un petit commentaire aussi si vous souhaitez. Et puis si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous, j'ai qu'à vous souhaiter plein de belles randonnées et de beaux bivouacs à venir en ce printemps florissant. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao !